Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, on va utiliser bouteille d'eau pour faire un jeu, bien sûr, comme tout au long de cet été. On peut utiliser soit une petite bouteille, soit deux grandes, de forme un petit peu différente pour qu'elles se puissent s'imbriquer l'une dans l'autre. Quand on prend la même bouteille, après, on ne peut pas repasser dedans. L'idée, elle est toute simple. On va faire un petit jeu du labyrinthe avec ces deux bouteilles qu'on devra ensuite glisser dedans. Alors, il faut penser à enlever le bouchon pour que l'air circule et qu'on puisse s'utiliser. Parce que si vous faites pas ça, vous ne pouvez pas, il y a une compression d'air. Donc voilà, l'idée est toute simple. Les deux bouteilles doivent s'emboîter comme ça dedans. On va dessiner un petit personnage sur la bouteille intérieure. Je vais faire un petit lapin bleu. Et mon petit lapin, il va devoir retrouver son chemin. Et donc, avec l'autre, et bien c'est tout ça, vous l'aurez compris, il va suffire de lui faire trouver son chemin, donc de former, de dessiner un labyrinthe sur cette autre bouteille. Donc on regarde le bouteille de là où il doit faire le départ, hein, c'est-à-dire qu'on va voir ici le départ. Après, l'idée, ben, c'est de tracer des chemins. Donc évidemment, c'est un jeu que feront avec plaisir les enfants. Alors tout autour de la bouteille, on traverse des variations qu'ensuite on va relier pour donner le chemin à notre lapin. L'idée, c'est d'imaginer, bien sûr, qu'il pourra faire son petit chemin pour arriver ensuite à l'arrivée. On pourra ensuite leur faire décorer et rejouer autant de fois qu'on veut, puisqu'il y a un nombre de chemins qu'ils vont pouvoir. Alors, on a dit qu'ici c'était le départ. Alors bien sûr, il ne faut pas trop lui faciliter la tâche à ce petit lapin pour arriver chez lui. Hein. On a chacun le droit d'inventer son chemin. Et voilà. Ensuite, on pourra décorer la bouteille, y faire des petites fleurs, des petits arbres, des trucs. Colorer. Les enfants coloriront au gré de leur fantaisie. Ils pourront même y mettre des petits, mettre des challenges, genre, tiens, le lapin doit ramasser, comme j'ai du vert, c'est pas facile, une carotte. Vous l'aurez compris, une fois que vous avez l'idée, eh bien, vous pouvez toujours la faire évoluer. Et comme ça, mon petit lapin, au départ, hop là, je vais chercher la carte. Et je continue, je remonte. Ouais, j'ai gagné. J'espère que ceci vous amusera et que ça occupera vos enfants pour l'été. Je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu totalement en recyclé avec ce qu'on a en vacances ou chez soi pour occuper nos chers enfants. À bientôt. Et toi aussi, retrouve le chemin.